Chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit les torts en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer. De nouveaux vêtements, une bague au doigt, tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps. Dans l'amour de notre Père, il guérit, restaure en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps. Dans l'amour de notre Père, ouragan de tendresse, océan de sagesse. Joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort, les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Guérit, restaure en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Ah, ah, ah.
trouve quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur, viens toucher ma vie à seul c'est fait. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul. Jésus vient régner.
à nouveau. Bonjour, je m'appelle Danielle. Ma vie a changé il y a 7 ans maintenant, au moment où je suis véritablement née spirituellement par Jésus. Si je souhaite partager aujourd'hui cette expérience avec vous, c'est parce que je me suis dit que j'aurais pu connaître cette transformation et la joie et la paix qui vont avec bien avant mes 48 ans, si quelqu'un m'en avait parlé avant. Et c'est donc pour cela que je souhaite vous raconter ce qui s'est passé pour moi. Je vais vous raconter comment, à 48 ans, j'ai ouvert mon cœur à Jésus. Je l'ai accueilli dans ma vie et c'est ce qui a donné un sens à ma vie. Un sens que je cherchais depuis toute petite déjà. Jésus, j'en avais entendu parler depuis mon enfance. Je suis née dans une famille catholique. Mes parents nous avaient appris, à mes frères et à moi, à prier tous les soirs ensemble notre Père. Nous allions tous les dimanches à l'église et je chantais dans la chorale. À l'époque de la préparation de la confirmation, nous avions des enseignements. Je n'arrivais pas à comprendre comment Jésus pouvait nous sauver en mourant sur la croix et de quoi d'ailleurs il devait nous sauver car je ne me sentais pas en danger. En parallèle, je me posais des questions sur le sens de ma vie. Pourquoi nous étions sur terre? Quel était le but de la vie sur terre? Et je n'en trouvais pas et cela me rendait vraiment malheureuse. À tel point que j'avais décidé d'enterrer cette question sans réponse et de suivre le cours de ma vie selon les événements qui se présenteraient. J'ai fait de bonnes études, j'ai eu une bonne situation professionnelle, je me suis mariée, mais ensuite j'ai divorcé à l'âge de 24 ans. Je n'allais plus à l'église parce que les rituels ne me convenaient pas et le message ne m'apportait pas grand-chose. Suite à mon divorce, j'ai eu une vie sentimentale instable pendant très longtemps. En approchant de la quarantaine, j'ai fait une prière à Dieu en disant que si je ne rencontrais personne pendant les prochaines vacances, j'en finirais avec cette vie. Je le disais, mais sans vraiment me sentir capable de le faire, et c'était plutôt comme une menace au cas où Dieu existerait vraiment. Et j'ai effectivement rencontré une personne pendant ces vacances-là, ce qui a été le déclencheur qu'il me fallait pour quitter Strasbourg, parce que je sentais depuis quelques années que c'était ce que je devais faire, et je suis donc partie sur Paris. Finalement, cela n'a pas duré avec cet homme, mais j'ai rencontré l'homme avec lequel je me suis mariée à 42 ans. Avec le recul, je vois la main de Dieu dans mon histoire. Il a répondu à ma prière en me conduisant sur Paris. Il a choisi un mari parfait pour moi, avec lequel je suis très heureuse. Et mes frères et ma mère m'ont dit qu'ils avaient prié lorsque j'ai quitté Strasbourg pour que je rencontre vraiment celui qui serait mon mari. Au bout de quelques temps, je me suis aperçue que même amoureuse de mon mari, même avec un bon travail, intéressant, bien rémunéré, même avec une belle maison, j'avais toujours ce vide en moi, toujours cette question du sens de la vie restée sans réponse. En mai 2013, une amie qui était à la chorale catholique avec moi quand nous étions ados est venue passer un week-end chez nous en région parisienne. Quand nous avions 20 ans, elle me disait qu'elle lisait la Bible tous les jours et que c'était sa nourriture spirituelle. Personnellement, j'avais du mal à comprendre et je n'avais aucune ouverture sur la vie spirituelle. Durant le week-end où elle était chez nous, elle nous a longuement parlé de ce que disait la Bible, de Jésus, de son Esprit Saint, de ce qu'il faisait réellement, concrètement dans sa vie de tous les jours, de la manière dont elle était en relation spirituelle avec lui. Elle nous a donné des exemples de prières exaucées, même pour les petits sujets de la vie courante. Et elle nous a parlé comme ça, le samedi soir jusqu'à 2h du matin, et puis à nouveau le dimanche toute la journée. Et finalement, le dimanche soir, lors d'une promenade, nous avons fait cette prière en disant à Jésus que nous voulions le suivre et nous laisser guider par lui. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, je n'arrêtais pas de me demander ce qu'il s'était passé. Est-ce qu'il y avait quelque chose de changé? Qu'est-ce que ça voulait dire suivre Jésus ou lui donner sa vie? Et je me sentais vraiment indigne. J'avais honte.
parce que ma vie n'avait pas été correcte, n'avait pas été sainte, entre guillemets. Cette amie est revenue à l'automne 2013, toujours la même année, dans le cadre d'un rassemblement national de la Chambre de commerce chrétienne internationale qui avait lieu non loin de chez nous. Elle nous a proposé de l'accompagner, mais à chaque fois j'avais des excuses. J'étais trop fatiguée, j'avais plein de choses à faire. Et le dimanche matin, nous l'avons accompagnée quand même pour lui faire plaisir à l'église de la communauté chrétienne de Boussy-Saint-Antoine. Et là, ça a été une révélation pour moi. J'ai vécu une expérience spirituelle très forte. Dès le début, j'ai été transportée par la louange. Des larmes coulaient de mes yeux. J'étais très émue, sans savoir exactement pourquoi. J'étais percutée par les paroles des chants. C'était des mots simples qui s'adressaient directement à Dieu, comme dans une conversation. Je pensais vraiment à toutes ces paroles en les chantant du fond du cœur. L'orateur était un pasteur américain invité pour ce rassemblement qui s'appelle Del Five. Et ce qu'il expliquait concernait Dieu, la création, la dimension temporelle, et ça paraissait vraiment limpide et je n'avais jamais entendu rien de semblable. À la fin du culte, il a proposé de s'avancer pour recevoir la prière et je me suis avancée. Il m'a dit « Tu as fait un long chemin, mais maintenant tu es arrivé dans le royaume des cieux ». Waouh! C'était comme s'il répondait à mes questions. Non, je n'avais pas été jugée indigne. Oui, j'étais acceptée par Dieu, telle que j'étais, avec mon passé. Quelque chose s'est vraiment passé ce jour-là. J'ai quitté l'église dans une joie immense. J'étais sur un petit nuage, j'étais tellement heureuse de ressentir cet amour de Dieu pour moi. J'étais vraiment entrée dans cette dimension spirituelle. Et avec mon mari, nous sommes revenus dans cette église les dimanches suivants et pendant de nombreux mois. Et mes yeux ont continué à pleurer, non pas parce que j'étais triste, mais c'est comme si tout mon passé était revisité, lavé, purifié. J'ai commencé à lire la Bible et j'ai trouvé ce livre passionnant, je l'ai dévoré. J'ai commencé à la Genèse et j'ai terminé avec l'Apocalypse. Et comme je faisais un trajet en RER 1 h le matin, 1 h le soir, en quelques mois, je l'avais lu entièrement. Et ça m'a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses. Notre ami de Strasbourg nous a également donné des livres, la plupart écrits par des Américains, qui expliquaient ce que c'était l'Esprit Saint, ce que c'était la nouvelle naissance, comment prier, etc. Je lisais énormément et avec passion. Et ça m'a permis de comprendre ce qui s'était passé pour moi. J'avais accepté de suivre Jésus. Il m'avait donné son Esprit Saint. Il m'avait donné ainsi une naissance spirituelle. Il m'avait accordé la vie éternelle. J'avais enfin compris pourquoi on dit que Jésus est vivant et de quoi il nous sauve. Il est vivant parce que son esprit est vivant. Et de quoi il nous sauve? Il nous sauve de la mort. J'étais morte spirituellement. Il m'a donné la vie spirituellement et même plus, la vie éternelle. C'est vraiment quelque chose de fantastique qu'on a du mal à réaliser, quelque chose de grandiose, d'incroyable. Il y a un avant et un après ce moment. Avant, j'étais un être humain, corps, âme et esprit. Et maintenant, en plus, je sais que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, ce qui me donne une force nouvelle. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité qui nous a été donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et cela se concrétise vraiment dans la vie de tous les jours. J'ai appris à prier Dieu au nom de Jésus, tel que Jésus lui-même l'a enseigné, à le prier simplement en lui parlant, en le remerciant, en lui faisant part de mes besoins. J'ai vu comment mes prières sont exaucées. Que ce soit pour des petites choses du quotidien, comme par exemple avoir une place assise dans un RER surbondé, il me la donne. Et pour des sujets plus graves, comme prier pour la guérison, j'ai pu expérimenter la guérison divine. Un jour, nous avons accueilli à la maison une amie qui avait une entorse à la cheville. J'ai imposé les mains sur sa cheville, j'ai commandé à la douleur de partir au nom de Jésus et notre amie est repartie de chez nous sans plus aucune douleur, ni gêne et sans béquille. Aujourd'hui, je reste passionnée, j'aspire encore plus et je sais que j'ai encore beaucoup à découvrir et des dons à développer. Je veux être un ouvrier pour la moisson. Ma vie n'a de sens que pour servir Dieu, pour le faire connaître aux autres, pour l'aimer et pour aimer les autres. Je voudrais terminer en remerciant cette amie, Laurence, pour ce qu'elle a fait pour moi, en me livrant son témoignage et en me conduisant vers Jésus. Et c'est ce qui m'a motivée à vous livrer le mien. Je voudrais aussi vous exhorter à ne pas laisser le temps passer comme je l'ai fait, à accepter Jésus dans votre vie dès maintenant. Parce qu'il n'y a que lui qui pourra combler le vide qui est peut-être en vous, que lui qui pourra donner un sens à votre vie. Il n'y a que son esprit qui pourra vous donner la paix et la joie. Si vous le souhaitez, il suffit de faire une simple prière
et je peux la faire avec vous maintenant. Dites simplement après moi. Jésus, je veux t'ouvrir mon cœur. Je veux mieux te connaître. Je veux te laisser conduire ma vie. Je me repens de tout ce que j'ai fait qui était contraire à ta volonté. Et je t'accueille maintenant dans ma vie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ce message vous aura apporté quelque chose. Soyez bénis. Shalom. Je viens t'adorer.
profondeur de ton cœur. Je veux aller plus loin, dans l'immensité de ton amour. Ton amour, ton amour au Père, ton amour, plus loin, plus profondément, je veux aller plus loin, dans l'immensité de ton amour, plus loin, plus profondément, je veux aller. De ta présence, je viens.